Moi, ça sert à rien de reculer l'échéance, de dire à une nana que c'est terminé. Hein. Parce que ça lui met de l'espoir pour elle. Que si un homme doit lui dire que c'est fini, ah bah, qu'il lui dise. Hein. Il n'y a jamais de bon moment, en fait, pour dire à quelqu'un que c'est fini. Moi, en plus, pour moi, cette personne est amoureuse d'une autre nana. Hein. Ouais. Et veut concrétiser avec elle. Et en tout cas, avec l'autre, c'est fini. Donc, ça sert à rien d'attendre. Après, ça peut être quelqu'un qui préfère attendre après les fêtes, en début d'année. Mais, à mon avis, elle le sait. Elle le sent. Hein. Donc ça sert à rien. Moi, je pense que ça sert à rien. Donc, et il y en a une autre. Il y en a une autre et pour moi, il est amoureux de l'autre. Du coup, moi, peut-être qu'il voulait la voir. Il n'a pas pu y aller. Qui voulait lui parler, mais après avec les fêtes et tout, c'est pas trop. Mais il aurait dû lui dire bien avant. Moi, en tout cas, ça fait un moment que ça tourne et que ça vire et que je pense qu'il est jamais vraiment arrivé à lui dire que en gros, même toi et moi, c'est fini parce que j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie et que je veux faire ma vie avec elle. Cette nana, il l'a connue avant toi. Mais c'est pas bon ce qu'il a fait. Non, non, non. Moi, il aurait dû lui dire d'ailleurs, ah bah écoutez, dès qu'il t'a connu, dès qu'il a senti qu'il était amoureux de toi, il aurait dû arrêter avec elle. Et pour moi, ben, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait et du coup, là, mais même s'il l'aurait fait, moi je pense que cette nana, de toute façon, l'aurait pris mal quand même. Si. Si, parce que quand tu quittes quelqu'un, en général, on le prend toujours mal. Hein. Donc même si il aurait dit dès que il est tombé amoureux de toi.